Turning now to the operation itself, very little preparation is necessary for transorbital lobotomy. This patient came to the hospital this morning after breakfast, and if all goes well, she will leave tomorrow afternoon. Des images d'une époque révolue, celle de la lobotomie triomphante. Dans les années 1950, plus de 10 000 patients ont été soumis à cette toute première opération de psychochirurgie de l'histoire, la section des fibres nerveuses unissant le lobe préfrontal au reste du cerveau. Une opération plus ou moins hasardeuse selon la technique retenue. Ça va se développer dans deux voies diamétralement opposées. D'une part, une simplification de la technique, de façon à la rendre accessible, y compris en cabinet, par le psychiatre. Hein, c'est ce qu'on appelle la lobotomie par le pic à glace, avec cet instrument. En fait, le psychiatre perçait, effondrait le toit de l'orbite et par un mouvement d'essuie-glace, il déconnectait le lobe préfrontal du reste du cerveau. C'était la technique la plus simple, avec notamment Freeman, qui parcourait les États-Unis avec ce qui était convenu d'appeler sa lobotomobile. Et puis, inversement, un courant qui a cherché, à, beaucoup plus scientifique, à préciser les zones anatomiques qui étaient impliquées dans les pathologies psychiatriques et les cibler de façon à traiter des pathologies, et notamment les TOC et la dépression. Durant 10 ans, faute de recul, les dégâts causés par cette intervention neurologique restent camouflés par les quelques améliorations dont bénéficient certains patients. Si bien qu'en 1949, la lobotomie vaut le prix Nobel de médecine à son inventeur, le portugais Egamonis, homme politique et chercheur de renom. C'est lui qui va avoir l'idée, après avoir assisté à un congrès à Londres en 1934. Il avait vu notamment deux expériences qui avaient été menées par Fulton de l'université de Yale sur des chimpanzés avant et après lobotomie. Avant lobotomie, on leur faisait faire des tâches et on refaisait faire les mêmes tâches cognitives après la lobotomie. Et la différence entre les deux étapes, c'est que après lobotomie, lorsque les chimpanzés échouaient à ces tests, ils manifestaient moins de comportements de rage, de colère. Donc il y avait une diminution de la tension nerveuse, et c'est à partir de ces expériences qu'on s'est dit, en déconnectant le lobe préfrontal, on devrait pouvoir diminuer la tension nerveuse des patients psychiatriques. Mais il y a eu très peu de temps, en fait, entre l'expérience chez l'animal du passage à la clinique. C'est en effet dès 1935 qu'Egamonis a procédé à la première lobotomie, à Lisbonne, sur une prostituée, un an après les expériences sur le singe. Pas étonnant donc que les résultats soient parfois catastrophiques. Rosemary Kennedy en est un cas emblématique. Après un diagnostic de dépression agitée, elle a subi une lobotomie qui la laisse lourdement handicapée. Avec du recul, on s'est aperçu des dégâts que produisaient ces techniques, des délabrements cérébraux, des mutilations de la personnalité, que les complications n'étaient pas du tout anodines. Et puis, un petit peu à la même période, a commencé à apparaître les premières molécules, notamment en 1954, la chlorpromazine, qui est le premier neuroleptique. Et donc, à partir de là, on avait vraiment une alternative à la psychochirurgie. Et à partir de 1950-60, elle a commencé à décliner parce qu'on avait ces fameuses camisoles chimiques qui étaient disponibles, avec de plus en plus de molécules qui ont été disponibles, les antidépresseurs, le lithium, etc. Deux films cultes reprennent cette image désastreuse de la lobotomie. Soudain l'été dernier de Joseph Mankiewicz en 1959, puis Vol au-dessus d'un nid de coucou de Milos Forman en 1975. Mais la lobotomie n'a-t-elle vraiment été qu'une supercherie médicale, ou bien a-t-elle soulagé certains patients? C'est vrai qu'avec la psychochirurgie, on a obtenu certaines améliorations à une époque où il n'y avait aucune alternative au niveau des traitements psychiatriques. C'était la contention, les fameuses camisoles de force. C'était l'hydrothérapie, on mettait les gens dans des bains très froids. Ça a été les cures de Sakel, on plongeait les patients dans des comas hypoglycémiques et puis ensuite on les resucrait progressivement. Il n'y avait aucune des molécules que l'on connaît aujourd'hui qui était disponible.
La lobotomie appartient donc bel et bien au passé. Mais la psychochirurgie, elle, fait sa réapparition des dizaines d'années plus tard. Au début des années 90, au CHU de Grenoble, le neurochirurgien Halim Louis Benhabid implante des électrodes dans le cerveau d'un patient atteint de la maladie de Parkinson pour corriger ses tremblements sévères. Cette méthode, dite de stimulation cérébrale profonde, est réversible, puisque le faible courant électrique généré par les électrodes peut être modulé ou interrompu. Une nouvelle page de la psychochirurgie est en train de s'ouvrir. Depuis le 25 avril 2002, le comité national consultatif d'éthique a autorisé qu'on puisse faire de la recherche dans ce domaine, mais avec la stimulation cérébrale profonde, c'est-à-dire une technique réversible. Donc en France, il y a peu de protocoles ou alors dans des indications très, très précises, la dépression, les TOC. En revanche, il y a nombre de pays où il n'y a pas le même encadrement éthique, où on va aller explorer des indications beaucoup plus controversées comme l'agressivité, comme l'addiction. En outre, il s'agit souvent d'interventions lésionnelles qui ne sont donc pas réversibles contrairement à la stimulation cérébrale profonde. Par exemple, en Colombie, on a utilisé le gamma knife, c'est-à-dire l'administration de rayons gamma très focalisés sur une zone du cerveau, l'hypothalamus, pour traiter des comportements agressifs. En Chine, par exemple, on va détruire une zone du cerveau, le nucleus accumbens, pour traiter certaines formes d'addiction. Donc cette technique de psychochirurgie et notamment de stimulation cérébrale profonde offre des perspectives thérapeutiques très prometteuses. Ça serait regrettable que des abus bloquent la recherche, notamment dans des indications où on peut apporter des soulagements importants aux patients. Je pense à la dépression, je pense aux troubles obsessionnels compulsifs. Ces patients qui vont par exemple se laver les mains plusieurs centaines de fois par jour ou bien qui vont être pris dans des rituels de comptage ou de vérification et qui n'ont plus aucune vie possible. Il serait dommage qu'on jette le bébé avec l'eau du bain.